circuit was quite dry, so it's no point running further because the feeling, you know, the rear. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la manche 2 ici Interlagos au Brésil. Donc on va avoir le droit du temps ensoleillé. 34 degrés, 30 degrés, 35 degrés. Donc dimanche peut-être un petit peu nuageux, mais apparemment il ne fera pas forcément moins froid pour autant. Alors on va partir directement pour la qualification. Donc 9h, on va faire directement la qualification. J'ai mis les setups normaux. C'est-à-dire Ici, pas Edo et plus, pas Bosley, moins, on aura les ailerons moyens, on aura la vitesse de redoutable boîte, à la la fois boîte pour de les vitesse un voitures peu et pour les pilotes. moyenne, hein, donc pas trop rapide ni trop faible. On était un petit peu faible en Australie, donc là j'espère que ça sera un peu mieux. On va avancer un peu le temps, voilà, 47 minutes. Pas beaucoup de monde hein, quand même en piste. On va voir le classement des qualifs, pour le moment c'est Häkkinen devant Frentzen, Coulthard, tous les trois, les 4 en 1.09. Trulli, Fisichella, Irvine, Panis, tout le monde a roulé hein, j'ai l'impression. Gêné Sarrazin. Ok, allez, c'est parti. Allez, la petite sortie des stands en descente. Et on va découvrir ensemble. Ce circuit d'Interlagos, il n'a pratiquement pas bougé hein, au fil des temps. On pourrait dire même que le circuit d'Interlagos, c'est quasiment le même à l'heure actuelle. Alors bien entendu, beaucoup moins de dégagement en terre ou en gazon. Par exemple ici dans le virage, bon là il y a du gazon, mais dans la réalité maintenant, c'est du gravier. Pas du gravier, du bitume, pardon. Là, je suis sorti un peu large. Mais la vitesse, ça reste assez court hein, quand même. Je suis qu'à 100 km/h. Regardez, l'accélération n'est pas terrible. Un peu trop d'aileron. On va essayer de dépasser. Je crois que c'est une arrose. Non, devant. Ah non, c'est notre coéquipier. Ah non, c'est une arrose. J'avais raison. La remontée pour la grande, grande ligne droite. Ça fait qui se court à l'envers. C'est un erreur circuit à l'époque à être le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on a 300 km/h, donc ça va, ça devrait le faire. Oula, je vais taper un peu. Ça va pas trop de dégâts sur la voiture. On va faire un premier essai. On va essayer de tâter un peu les limites de piste pour essayer de faire après un bon tour. Il faut quand même que je réussisse dans l'eau un tour correct, sinon ça va pas le faire. On a 5 secondes d'avance, mais je crois que c'est un petit bug quand même. 5 secondes d'avance, ça paraît énorme. Comme je vous dis, il y a. Oh, ça a failli ne pas passer dans le virage, mais c'est bon. En fait, je freine légèrement pour perdre le moins de vitesse possible dans le virage, parce que la réaccélération étant compliquée. Et voilà, j'ai touché la Stewart. Ah! Pas vrai. On m'a fait perdre beaucoup de temps. Bah, du coup, je pense que ce tour est déjà complètement loupé. Ouais, 9 secondes de retard, c'est quoi ce temps autour? Alors, on est complètement à l'agonie. Ils ont tourné en 1.9. On est en 1.10, 1.11, 1.12. Voilà, donc 21e temps. Allez, à nous de faire mieux maintenant. On sait pas loupé au point et virage, c'est parfait. En espérant que je ne bloque pas trop. Parce que c'est là où j'avais un plantage, c'était ici. Oh, mais c'est pas vrai! Mais regardez-moi ça! Regardez ce que l'IA a fait en fait. Elle était très lente, et puis dès qu'on a pris le virage, d'un seul coup, elle a commencé à accélérer. Ah bon, du coup, le tour est complètement fichu. Alors, j'en laisse quand même une troisième chance, parce que c'est pas une erreur de ma part quand même, donc on va quand même essayer de faire un troisième tour.
Mais c'est vrai qu'avec le nombre d'IA qui est sur le circuit, ça va pas être facile. Et en plus c'est genre il me gêne complètement quoi, il se décale même pas, il reste pas sur sa ligne. Il y a trop de monde sur la piste. Voilà, ça tombe Ferrari je pense devant. Allez, 12 secondes de retard sur un compacteur. Non, c'est une Williams. Non mais, oh, c'est pas possible. L'IA va être horrible dans ce jeu, c'est comme F1 98. Mais bon, un peu moins gênant quand même, mais toujours aussi horrible. Allez, on tente un dernier tour. Moi, je ne vais pas faire trop de bêtises non plus. On voit que la piste est assez libre devant nous. Hein. La première voiture est assez loin. Elle est au bout de la ligne droite. Et on est passé juste devant la rose, donc c'est parfait. Allez, freinage. À peu près le même temps dans le premier secteur. On va essayer de voir maintenant dans le deuxième. Pour l'instant, ça se passe bien. Je ne fais que desserrer légèrement. Hein. Je freine à peine. Et on sera pas gêné du début jusqu'à la fin, donc c'est parfait. Et on sort un peu large. Alors je pense que ça va pas être trop gênant. 6 secondes 7 de retard sur Raikkonen dans le dernier secteur. C'est n'importe quoi, hein. Je vous le dis sincèrement. C'est totalement improbable. On va voir le temps final. Ah, je serai pas en pole, ça c'est sûr. Et ça va être le 12e temps. Donc on va se contenter de ça, c'est pas grave. Fin de qualification. Et donc sur la grille de départ, nous allons partir 14e. Ce qui est... Je crois que c'est à peu près pareil que Melbourne. Je sais plus comment c'était qualifié à Melbourne. Dans ces eaux-là, il me semble. Allez, c'est parti. On va faire... Alors, temps nuageux, mais on va laisser les réglages par défaut. En pole position, Michael Schumacher. Près de lui se trouve David Coulthard. Ils ont mis en une minute quand même. Nous retrouvons Mika Hakkinen. En quatrième, Heinz Harald Frenzel. Jordan toujours aussi bien placé, hein, quatrième et cinquième. En sixième place, Eddie Irvine. Septième place, Ralf Schumacher. En huitième position, Giancarlo Fisichella. Neuvième place, Johnny Herbert. Dixième place, Jarno Trulli. Onzième position, Rubens Barrichello. Douzième place, Olivier Panis. En treizième place, Jean Alesi. Quatorzième position, Mika Salo. Quinzième place. Bon, on a rebattu notre équipier qui est juste derrière nous, hein, il partira 15e. Deuxième place, Pedro Diniz. Alors, mauvais temps de Zanardi, mauvais temps de Wurst aussi en 18e position. Et je pense qu'il est classé derrière les deux Arrows et les deux Minardi. Alors Sarrazin, évidemment, qui avait remplacé... j'ai oublié son nom. Badoer. Aujourd'hui, Marc Genet. Donc il va remplacer donc... Je ne l'ai à 3 secondes. Et du coup, qui va faire un seul Grand Prix. Et puis, ça sera le seul de sa carrière dans la vraie vie, d'ailleurs. Il va avoir un gros accident derrière pendant la course. Allez, départ correct, sans plus. On va essayer de se placer à l'intérieur, même si je pense pas que ce soit une très bonne idée. Parce qu'ils vont se resserrer d'un coup. Voilà, mon équipier qui est sur le côté. On va essayer de voir si on a de la vitesse de pointe ou si ça va être compliqué pendant tout le Grand Prix. Toujours dit tout rappel, je le rappelle. Il remonte rapidement derrière lui. Alors, on va voir, il y a des endroits où évidemment ils sont un peu plus lents, genre ici, oh il y a un accident, on va essayer de passer entre les deux. La Sauber qui s'est fait gêner par justement la voiture un peu à l'arrêt. Je crois que c'est une Prost hein, qui a un souci. On a failli se toucher, il y a une Jordan aussi qui vient d'abandonner, bah décidément c'est l'hécatombe. On est déjà dixième. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Allez, Stewart à l'extérieur, c'est bon, ça passe. On est déjà 9e. On va essayer de remonter sur physique et là. Allez, à l'aspiration. On va se décaler. Ouais, ça passe, nickel. Il peut pas y croire, mais on sait pas pourquoi. Moi aussi, je ne peux pas y croire.
Alors, devant nous, on a, je crois, une Stewart. Irvine, il va Schumacher. Déjà 4 abandons dans le premier tour. Et bah, Ekelo qui avait fait la course de sa vie ici au Brésil. Il était quasiment il était en tête hein, au moment de la course. Malheureusement, son moteur avait rendu l'âme. Soit Stewart. Et que va-t-il faire maintenant? S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Il remonte rapidement derrière lui. Alors, il me semble que vous avez élu en Driver of the Day Barrichello pour le Grand Prix Melbourne. Ex-aequo avec Häkkinen. Enfin, c'était le dernier chiffre que j'avais. Il y a encore quelques jours. On verra qui vous allez élire pour ce Grand Prix-là. En tout cas, pour le moment, on a des pilotes un petit peu... normalement un peu en retrait. Il y a Hill qui est plutôt bien placé pour le moment. Ralf Schumacher 6e, solidement placé. Barrichello 7 et nous-mêmes. Fisquet la 9e. Et vous voyez le gouffre hein, qui sépare les pilotes devant nous et les pilotes derrière. Il y a quasiment une ligne droite d'écart. Si on m'enlève entre les deux. Alors on va essayer de remonter. Oula, ça a tourné d'un coup. J'ai repris le grip. Alors à mon avis, une voiture qui a un problème parce que là... Oh, on a pris l'extérieur là, Williams. Mais à la relance, si ça va passer. On va essayer de prendre la McLaren à l'intérieur. À l'extérieur, pardon. Oh, la McLaren qui sait pas faire et on va essayer de dépasser tout le temps. Oh mon dieu. Alors c'est pas possible, on va dépasser quasiment tout le peloton en un tour et on va dépasser la Ferrari avec. Ah bah là par contre c'était facile. Oh mon dieu. J'ai dépassé tout le peloton. Ah, par contre maintenant ça va être compliqué, vous allez voir. On va être harcelé à mon avis par les Ferrari je pense. Et du coup il qui plonge à la 7ème place puisqu'on l'a dépassé. Et là, la course va devenir intéressante parce qu'il va falloir tenir devant tous ces pilotes. Et on va voir les positions s'échanger au fur et à mesure. La Frenzen aussi qui est de la partie derrière. À nous de ne pas craquer. Voilà, Ferrari qui est sur le côté. Je manque un peu d'appui quand même dans ce virage-là, la voiture qui tire tout droit. Alors je n'y comprends plus rien. Bon, pour l'instant tout se passe bien. Oula, attendez, j'ai l'écran qui est devenu noir. Ouais, c'est bon, continuez. Alors Irvine est en deuxième position. C'est que le classement passe vite. Irvine, Coulthard, Hill, Michael Schumacher, Häkkinen. Et Irvine, Hill qui est pas mal aussi, pardon. Il y a 5 abandons. Hein. De la Rosa qui a abandonné chez Rose au 4ème tour. On va faire attention parce que nous aussi on a des chances d'abandonner. Hein. Il n'y a pas que les IA. Je ne peux pas le croire. Et pour l'instant, on tient bien le rythme. Donc, j'y pense, la remontée qu'on a fait en l'espace d'un tour, on a gagné 8 places. Allez, c'est en train de revenir légèrement. On va garder l'intérieur contre Irvine. Alors la dernière fois c'était les seconds couteaux qui étaient devant, mais en fin de course c'était plus le cas. On va voir si ça va être aussi le cas à Interlagos. Et oui, derrière hein, on a la
Irvine a fait le meilleur tour et Coulthard hein, qui est en train d'essayer d'attaquer la Ferrari. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est bien, c'est qu'il dit pas quoi en fait. Il manque des pages de script, mon chat Van Viet. Et donc, deux souvenirs, bah, c'était normalement Kylian qui avait gagné cette édition 99. Avec une course à un seul arrêt. Je crois que c'était Coulthard de Kylian qui avait perdu une place parce qu'il avait loupé sa vitesse en sortant des stands. Frenzen qui est plus là. Cela pourrait bien relancer la course. Puisqu'il avait abandonné en début de course. On se souvient de la saison 2000 hein, qu'on avait fait sur le jeu F1 2000 justement de EA Games. Où les Jordan étaient vraiment les voitures les moins fiables du jeu. Elles étaient quasiment en train d'abandonner à toutes les courses. Comme en vrai d'ailleurs. Hein. Et c'est lors des essais d'ailleurs que Zonta, là, le pilote que je remplace chez BR, s'était planté. Il a mis deux roues dans l'herbe. Et voilà, moindre erreur et déjà Irvine sur les talons. Ça va très très vite. Il y a l'aspiration, mais il dépasse ça pour autant. Et c'est Marc Genet qui abandonne au 7ème tour sur la Minardi. Si on pouvait gagner les deux premières courses de la saison, ça serait pas mal comme départ. Je sais pas de quoi va être fait la seconde partie de saison, enfin en tout cas la suite. Comme je l'ai dit dans les commentaires, c'est les deux circuits où je suis le plus à l'aise en général dans les jeux de F1. Après, ça commence à se compliquer. Parfois, il y a Monaco aussi, mais ça dépend vraiment du jeu. Pas de changement pour le moment dans les pilotes de tête. Tant qu'il est sur la piste, tous les espoirs sont permis. Tant qu'il est sur la piste, oui, effectivement. Il reste plus qu'un tour à faire après celui-là. Il reste 10 tours. Voilà, le jeu par contre s'est totalement trompé, hein. Il reste pas 10 tours, hein. C'est le dernier tour. Pardon, excusez-moi. Et c'est quand même vraiment d'être devant derrière. Hein. C'est incroyable. Alors je crois qu'il dit incroyable, passionnant, je sais pas quoi. Je pense qu'il va y avoir un abandon.
À chaque fois, ça coïncide à peu près. Eh bien écoutez, si tout se passe bien, on va remporter la course. Je rappelle qu'on est en difficile, hein, on n'est pas en moyen. Alors il y a le mode expert encore plus haut. Mais je trouvais que le mode difficile était déjà bien proportionné. Même si là je me trompe un peu pour le moment, mais je vous dis c'est pas fini. Et donc victoire de Mickey Salo qui va remporter la deuxième course de la saison. Et donc au classement, alors on va faire continuer. Puisqu'il va y avoir le classement total de la course après. Donc nous on va marquer 10 points dans tous les cas, donc on va avoir 20 points. Et on va voir comment on se départage les points derrière, parce que ben ils se grappillent pas mal les points entre eux. Alors, donc on a... Alors le dernier abandonné, je pense que c'est peut-être Fisichella, parce que 16ème... Ouais, Marc Genet, ça me paraît bizarre. Donc, on remporte 10 points devant Eddie Irvine, David Coulthard, Damon Hill, Mika Hakkinen et Michael Schumacher. On va voir le classement constructeur, bah, toujours deux Finlandais, hein. 20 points et 8 points. Et regardez comme ils sont très très proches entre eux, hein. 8, 7, 6, 5, 5, 1, il y a vraiment très très peu d'écart. Et au championnat, attendez, je réfléchis à quelque chose. Damon Hill, voilà, qui a marqué 5 points. Et Frenzen qui a marqué 0 points pour le moment. Irvine qui a plus de points que Schumacher de 1 point, c'est pas beaucoup. Hakkinen par contre, c'est l'inverse. Et du coup, donc au championnat constructeur, on a 20 points, on a McLaren qui a 15 points, sachant qu'on va jouer à peu près en solo, hein, puisque Villeneuve risque de pas marquer beaucoup de points de la saison. Donc on est entre deux Ferrari, deux McLaren, ça risque d'être un peu difficile. Je l'avoue sincèrement, si on pouvait terminer 3ème au championnat, ça serait parfait. Si on termine 2ème, bon, bah nickel. Mais voilà, je pense qu'on va partir sur un top 3. Si on est mieux, bah tant mieux. Si on est moins bien, tant pis. Mais pour vraiment assurer l'objectif, je pense que ça sera top 3. Au départ, c'était marqué des points, mais vous avez bien compris que c'était quand même pas très compliqué. Donc on va se regarder. Ne pas retirer les cartes, bien entendu. Et voilà, les données étaient sans regarder. Et donc, bah on va se retrouver pour la prochaine course. C'est vrai que les vidéos sont assez courtes, mine de rien. les circuits seront beaucoup plus longs que ça, hein, donc ça devrait être un peu plus long au niveau de la course en elle-même. On va se retrouver donc à Imola pour le Grand Prix de San Marin. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à voter pour le pilote du jour sur cette course-là. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde !